Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne New Bash Activity. Je suis parti pour une nouvelle pièce sur Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing sur Android. C'est la version japonaise. Normalement, il prévoit la version globale. Combien de temps, je sais pas. Dans combien de temps, je sais pas encore, mais en tout cas, vraiment, il y aura la version globale. On est parti. Bon, ceux qui ont vu la multi-invocation, ceux qui ont su aller jusqu'au bout du tuto. D'ailleurs, est-ce que j'ai été jusqu'au bout? Donc, je suis tombé sur. Mais j'ai fait une multi, hein. Troisième Kage, Jiraiya, Orochimaru, le quatrième étoile, la fille, quatre étoiles, ça va du fou. On a vu. Voilà, c'est Anko, le petit C. Konohamaru. Voilà, Konohamaru. Le sensei de Gaara. C'est un personnage que j'ai eu dans les aventures. Et c'est tout, je prends ça. Voilà, c'est les pots, les potions, etc. On va aller voir du côté à la maison mauve, dans la tour mauve. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Allez, on est parti, voilà, on va tester. Hop. Hop. Et on va mettre un peu plus forte. Ah, c'est bon. C'est bon. Est-ce que c'est pas un... espèce de truc, en fait, il me semble que c'est peut-être une tour de combat pour combattre les autres. Tu vois, qu'on prend trois personnages, c'est comme le style de Bleach Brawl Source, donc on sélectionne trois personnages, donc ça additionne le tout d'attaque, apparemment ça additionne tous les points d'attaque, puis ça fait comme dans Bleach, hein, ça. Peut-être que c'est des combats automatiques. Faut gagner les combats. J'imagine que c'est peut-être ça. J'ignore, c'est tout le combat. On m'a demandé qu'est-ce que c'était la maison mauve. Voilà. J'imagine que c'est une espèce de tour qu'on va combattre. Certaines de personnes avec un certain nombre de points. J'imagine que c'est la vie. Et voilà, je pense que cette tour c'est un truc de combat.
va combattre 5 à 1, chacun pour soi. Et j'imagine qu'il y a des récompenses. Hein. Comme dans B, je sais pas tous. Ma vie, c'est pas encore pour le moment. Ma vie, c'est pas après. Ouais, on est parti pour une nouvelle pioche à la japonaise. J'espère y tomber sous les 5 étoiles. On est parti. Est-ce qu'il y a du nouveau? J'imagine que non. C'est la même chose que la dernière fois. Espérons tomber. Essayons que je tombe fou. On va trouver 5 étoiles qui serait bien. Allez, c'est parti. J'espère que vous êtes en forme. Allez. Hop. Ouais, les gars. Ouh. Allez. Boum. Seulement un argent en plus. C'est qui je tombe? Encore elle. Hein? Je pourrais augmenter son attaque spéciale. C'est dit. Voilà. Ça va aider. Ça va aider de projeter. On continue, hein. J'espère pas de tomber sur le même personnage. C'est quand même. Allez. S'il te plaît. Je veux du 5 étoiles. Allez, mon premier 5 étoiles, allez. Puis tout seul. Trois pour une bronze. Pour un bronze, sérieusement. C'est une blague. Encore elle. 3 étoiles. Passons. Je tombe sur les personnages que j'ai déjà. Alors on fout, hein. Là, c'est les points d'amis. Est-ce qu'on fera les points d'amis? Pas tout de suite. Tu fais quelques places. Comme ça, je suis un peu tranquille. Pour l'instant, c'est des personnages que j'ai déjà. Ça veut dire tant mieux. Je pourrais augmenter leur attaque spéciale. Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez! Une 5 étoiles! Allez! Allez, allez, allez! Quoi? Quoi? 4 étoiles! Nouvelle Inata, ça c'est cool. Inata, 4 étoiles, je l'avais pas, donc c'est cool. Inata, allez, s'il te plaît, 5 étoiles, encore 2 chances de tomber sur une 5 étoiles. Est-ce que j'en avais une ou pas? Allez, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, 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 allez. Allez, allez. 1, 2. Simplement 2. Les éléments. Les 5 étoiles peuvent pas venir. Forcément, faut que je tombe sur un perso que j'ai déjà. Oh. Elle est la dernière. Pour. J'imagine. Soit une bronze, soit une argent. On n'a pas plus. À la vie, c'est mort. Hein. Passons. J'ai pas encore de choix là-dessus. Quoi? Tout ça pour un... Oh non! C'est pas vrai, ouais. Tout ça pour une argent...
Une eau. Vite, il me semble que j'ai déjà une inno. Voilà. Bon, pas une 5 étoiles. De toute façon, c'est pas de chance. Et en plus, dans l'aventure, il y a une étiquette complètement ouf. Donc, j'ai fait la mission où. J'ai fait la mission où on rencontre Zabuza. Franchement, il y a une mission qui est complètement compliquée. Je sais pas si vous aussi avez été en difficulté. Enfin, c'est dans le stage 3, celui-là. Franchement, je peux commencer à coup quasiment impossible, même avec des spéciales dans la gueule. Franchement, résistant. Donc, que des doubles, hein. Que du double. Je vais augmenter leur attaque spéciale, hein. Pour ça, ça me fait gagner de la place. Hop, comme ça. Dans leur attaque spéciale. Hop. Direct. On voit qui augmenter elle. Augmenter, y a que 3 étoiles. Donc voilà. Bon, c'était la première pioche. De toute façon, on l'avait avant. Ah oui, pas comme ça. Oui, mais peut-être que je l'ai pas. Bizarre. Un problème là. Attends, j'ai bien mis une ta. Voilà. Ok, on dirait que mon personnage ne s'est pas enregistré dans le livre. Là, il met en grise. Bon, ok.
Donc c'était la première pièce sur Naruto. Shippuden Ultimate Ninja Blazing. C'est cette pièce, je vous appuie un petit pouce bleu, ça me fait super plaisir. Commentez ce que vous en pensez de cette tour violet. Je pense pour moi c'est un espèce de tournoi où on compte pas les autres. Parce que avec certains non combats on gagne, j'imagine qu'il y a des récompenses. Comme dans Bleach, Brassus, un peu comme ça. Je pense qu'il y avait des combats automatismes, soit en automatique, comme dans Brassus. Je pense que c'est plutôt ça. On sélectionne des personnages et il y a un truc qui compte et voilà. Et commenter aussi, j'ai reçu quoi, en tout cas moi, les 5 étoiles, veulent pas encore venir, hein. Ils sont pas encore prêtes. Ils sont cachés quelque part. Et merci, abonnez-vous pour ne rater des prochaines posts, que ce soit sur ce jeu, ou d'autres. Prenez bien soin de vous, et à bientôt.